Buonasera, Piazza Grande! Chiamiamo sul palco Giada e Giona. Allora, inizio subito col dire che nessuno mi aveva mai rubato il buonasera Piazza Grande. Eh? Quindi uguale. fatemelo dire. Buonasera Piazza Grande. Buonasera. Benvenute, benvenuti. Beh, a questo punto avrete capito che questa è una serata speciale dedicata al nostro pubblico più giovane, che in questi giorni però non è in vacanza, è il contrario, sta facendo moltissimo, ce lo racconteranno tra poco, è impegnato con laboratori, atelier, nuove esperienze, anche con le proiezioni di Locarno Kids, che infatti sono sold out. Allora io vorrei chiedere a Martina, Lia, Mae ed Elia di dirci come sta andando questa esperienza, com'è questo Atelier du Futur? Allora, l'Atelier du Futur è una bellissima esperienza perché si può scoprire tanti nostri coetanei che magari hanno le nostre passioni e che quindi possiamo fare amicizia. Beh, l'Atelier du Futur... Un bel applauso per tutti loro, per la loro emozione, anche se sono bravissimi e preparatissimi. Beh, l'Atelier du Futur è veramente una cosa emozionante. Io mi sono iscritto l'anno scorso, mi sono riscritto quest'anno e sicuramente mi riscriverò anche l'anno prossimo, perché è veramente qualcosa di unico. L'Atelier du Futur è un'esperienza unica. Si vivono diverse avventure come quella che sto vivendo e sono anche fiera di indossare questa sera una mia creazione che ho dedicato al Locarno Festival. Innanzitutto devo dire che è soltanto grazie all'Atelier du Futur che oggi ci possiamo trovare su questo palco e abbiamo avuto anche l'onore di passare gli ultimi 3 giorni in compagnia con il favoloso artista Nick Antic a creare un brano musicale che tra poco tra l'altro potete anche sentire in radio. È la serata per parlare di futuro, il futuro, quello che lasceremo a loro, alle nuove generazioni, si costruisce ascoltandoli e soprattutto dandogli la parola. A loro e per loro ha sempre pensato un autore impegnato a raccontare per immagini alcuni dei luoghi più incontaminati del nostro pianeta, senza dimenticare l'urgenza di preservarlo. Lui è Luc Jacquet e siamo davvero felici di consegnare il Locarno Kids Award La Mobiliare, main partner del festival, proprio a questo autore. Con questo partner il Locarno Film Festival condivide da anni la missione di fornire alle nuove generazioni strumenti per aiutarli a forgiare la propria personalità, ispirandoli e incoraggiandoli a costruire, anche grazie al cinema, un futuro luminoso. Papa, viens. Tu t'en vas déjà? Attends. Tu reviendras, hein? Yep. Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était. Mais vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme.
À 82 ans, je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate que l'histoire lui a donné raison. Je pense aux glaciers qui fondent ici et aux îles qui se noient là-bas. Je pense à l'homme triomphant qui devrait maintenant renoncer à s'approprier l'entièreté du monde. Non pour la Terre et ses créatures, mais pour nos enfants. Mais j'ai confiance. L'homme n'est jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue. Est-ce que je peux vous demander de venir ici au milieu? Oui, avec plaisir. On est très honoreux ce soir d'avoir Luc Jacquet avec nous. Quand on parle de cinéma, il y a toujours cette distinction un peu bête de séparer la fiction du documentaire. Le cinéma n'est comme documentaire. Le cinéma, c'est la chose vue. Et ça veut dire que la première chose qu'on a filmée, c'est le monde. Et l'image du monde, c'est le cinéma, car on transmet l'image du monde aux gens, à ceux qui viennent après. Et Luc Jacquet a fait de cette mission de documenter le monde et transmettre la chose vue à ceux qui viennent après. Aujourd'hui, on voit que toute cette préoccupation en tant qu'homme, biologue, artiste et activiste, elles sont là. Elles sont devenues une autre réalité. Non, piano. We are with you. We must act now. We must act now. This is a climate emergency call. Children are dying. Animals are dying. You are here tonight to see a film about animals. And about nature, about our future. This is about our future. Children are Maybe you should not. You should not cry. We you want the microphone? Need to be here. We are here because we understand what climate change means for you and for us. And this is fucking scary. Please, wake up. Take the microphone. Please wake up. There is no stress. Wake up. Ah bah c'est malin les mecs. Vous êtes collés. On est avec vous, on est préoccupé pour la même chose. Pourquoi vous faites ça? I mean, on est là pour justement partager les préoccupations qu'on a pour la planète, pour les êtres vivants qui sont sur la Terre. Pourquoi vous faites ça? Mais je comprends vos préoccupations, mais on est avec vous. Non, piano, non fate male. Ils sont collés, ils sont collés. Non fate male, non fate male. Non c'è bisogno di far male. Non, non. Mais on vous donne la parole. Donne-lui la parole oui. et après vous parlez. Non, non c'è bisogno di fermare. Non c'è no. Siamo tutti dalla stessa parte. Siamo ecco. Tutti dalla stessa parte. Allora, prendi la parola. Un minuto. Oui. D'accordo. Prendi la parola. Calma. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Prendi la parola. Voilà. Cher public, dear audience, we're not happy to be here. If we're here, is because you understand what climate change means for us and for you. And this is fucking scary. We're here because governments don't take actions to protect us, to protect millions of lives, animals and human lives. You've seen what's happening across Europe at the moment, wildfires, storms, floods. This is going to happen more and more because of climate change, more intensely and more frequently. Nobody is safe anymore. We need to take action now.
We are cinema lovers. We're not here to annoy you. We would love to be here in the public with you. But tonight, you're going to end up in prison while you're watching this film. So we're taking courage with both hands, and we hope you're going to do the same from tomorrow. You can join the climate movement. Please do it. Okay. Merci. René. Peut-être que moi j'aimerais dire deux mots sur ce qui vient de se passer aujourd'hui, à l'instant. Peut-être que quand on n'agit pas avec la raison, peut-être que quand on n'agit pas avec la civilisation, il se produit des colères qui nous amènent à ce genre d'événement-là. Et je pense que le cri que poussent ces jeunes gens sont illégitimes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on fait pour faire avancer les choses. Et je pense que cette question, elle se pose à tous, elle se pose à nous ce soir. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a l'action comme celle-là, il y a d'autres langages. Moi, je n'ai pas de véritable solution. Je crois juste peut-être, et ça c'est mon choix, que l'émotion est probablement une force plus forte que la vitupération. Mais je ne suis même pas sûr de ça. Et je crois surtout que les jeunes qui sont là, qui nous accueillent ce soir, qui sont devant cette foule immense et qui ont le talent et l'audace de venir vous parler et me remettre ce prix, sont des jeunes d'avenir à qui on doit offrir un avenir, et ça, je pense que c'est fondamental. Merci Luc Jacquet. Et Elia et moi, maintenant, on va vous donner cette part d'eau. Con vero piacere che consegniamo il Locarno Kids Award da mobiliare a Kid, a Luc Jacquet. Merci. Évidemment, c'est un moment particulier pour moi, extrêmement émouvant. Je vous remercie. En 2006, quand je monte sur la scène des Oscars, c'est une histoire complètement inattendue. Et je me souviens que c'était il y a 30 ans. Et je me souviens monter sur la scène et faire imiter le cri du manchot empereur en disant que j'espérais que ce film inspirerait les jeunes peut-être et les amènerait à bouger. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par cette remise très symbolique, j'ai peut-être pas tout à fait perdu mon temps. Et alors, merci d'abord pour cette... Mais peut-être c'est à vous maintenant d'introduire le film qu'on va voir ce soir, qui est aussi une réflexion sur ce qui se passait depuis la marche de l'Empereur, un film pour lequel vous avez gagné un Oscar, à Voyage au Pôle Sud. Donc voilà, ce soir vous avez, j'espère, la chance. En tout cas, les conditions sont sublimes. Croyez-moi, pour un cinéaste, être devant un écran pareil, devant une foule pareille, c'est juste extraordinairement émouvant. Vous allez voir en avant-première mondiale un film qu'on vient de terminer. Quand je dis « on vient », c'est une toute petite équipe de techniciens avec qui j'ai travaillé, qui a donné énormément de cœur sur ce film. Je pense au monteur Stéphane Mazalec, je pense au monteur son, au musicien Cyril Aufort, Samy Bardet, Thierry Lebon. Je pense aussi aux personnes qui nous ont aidés à monter ce film complètement atypique qu'on a fait avec une liberté incroyable. Je voudrais citer Arte, je voudrais citer Playtime, je voudrais citer Memento, je voudrais surtout citer mes amis de Paprika qui ont cru à ça, je voudrais citer mes amis de Icebreaker aussi. On a fait un film complètement atypique, un film pour partager la beauté du monde, pour partager la poésie du monde, pour partager cet incroyable magnétisme que dégagent encore les espaces sauvages que sont l'Antarctique, la Patagonie. J'ai voulu offrir un voyage. J'ai voulu offrir un voyage parce que je pense qu'aujourd'hui, dans la difficulté qu'on peut avoir dans le rapport au monde, pour trouver notre place en tant qu'être humain sur cette planète, peut-être qu'on avait à la fois besoin de beauté et d'immensité. C'est cette beauté et cette immensité que je vous offre ce soir. J'espère que vous en profiterez. Bonne soirée. Grazie Piazza Grande. Merci Luc Jacquet. E ricordiamoci, il pianeta lo salviamo tutti insieme, tutti i giorni. Grazie e buona visione. Grazie, buona visione del film e un ringraziamento anche a loro che erano con noi questa sera sul palco. Buona serata e a domani.
Merci.